C'est vrai que pendant peut-être 5 minutes, je me suis dit, genre, oula, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de montrer ton visage, de parler de tout ça? Est-ce que ton copain, il va pas être un peu vexé que tu étales ta sexualité? Moi, je dirais les premières sensations, c'était en primaire, à la piscine. Est-ce que tu te souviens si on t'a parlé du clitoris en classe? Je me souviens que non. Il est grand en fait. Enfin, genre, ça vient jusque là, je crois. C'est la taille d'un pénis. C'est la même chose. C'est la taille d'un pénis. Ouais, qu'on a à l'intérieur. Ouais. 11 cm. Ouais. Enfin, 11 d'un petit pénis. Quoi, on le sous-estime complètement. Ouais. Mais non. Je me rappelle la première fois que ça a marché. Je me rappelle très bien, bah, c'était dans mon lit, c'était le soir et tout, et je venais de voir un film, et puis j'avais réessayé pour la énième fois, et puis l'effort a payé. C'est peut-être ma façon de militer. C'est peut-être pour ça que je parle beaucoup de sexe autour de moi. Mais je pense que c'est aussi une façon de, voilà, de revendiquer le fait que oui, on peut être une fille et oui, ça peut nous intéresser beaucoup. Et non, ça ne veut pas dire que nous sommes des salopes.